Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélus et nous partons pour la suite de Breath of Fire 2. La dernière fois, je me suis fait rétamer comme une grosse merde parce que j'étais bloqué, mon sort de sortie de donjon ne marchait pas. La localisation FR, c'est vraiment de la merde. Du coup, maintenant que je n'ai plus aucun objet, genre vraiment j'ai zéro objet, ouais, je peux rien faire, je vous l'avais montré la dernière fois. Enfin, j'ai même fait des tests. Je ne peux plus retourner en arrière. Donc du coup, là, je vais pas retourner à la tour parce que j'ai perdu 15 minutes à y aller. Parce que le jeu a décidé que non, tire nulle part. Et j'ai vu une grotte en haut à gauche, auquel je vais y aller. Je vais y aller tout tranquillement. Et on verra bien ce qu'il en est. C'est cette petite grotte qui se trouve juste là. On va y aller. Alors, du coup, c'est quoi ici? La cascade sauvage. Waouh. Salut mec. Mesdames, messieurs, vous pouvez déposer vos affaires ici. Voulez-vous les déposer? Non. Si vous ne pouvez pas suivre les règles, nous devons vous demander de partir. Et moi, je t'emmerde. Bon, qu'est-ce que tu veux que je dépose? Oui, vas-y, quoi. Nous vous rendrons vos affaires lorsque vous partirez. Amusez-vous bien. Ok. Le restaurant du chien sauvage est très strict sur les bonnes manières. Veuillez suivre les instructions. Ok. Et si je pars? Voici vos affaires, merci d'être venu. Ok. Ok, bon, c'était juste pour vérifier. Ok, ok, donc. Oui, vous pouvez déposer vos affaires ici. Oui, on va déposer nos affaires, hein, oui. Hein, nous vous rendrons vos affaires lorsque vous partirez, ok. C'est quoi ça? Vous allez déposer vos chapeaux ici. Non, j'ai pas envie. Moi, j'y vais comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Cher client, vous ne savez pas lire les instructions. Ferez-vous comme on veut. Non. Dans ce cas, je dois vous demander de partir. PTDR, t'es qui? Ah mais c'est qu'il a résisté le monsieur en plus. Ah oui, oula, ouais, il a résisté et il met des bonnes tartes. Et ben voilà, zéro tarte. Donc, ah, par contre j'ai pris un petit peu cher. Je vais aller jusqu'au bout voir si jamais il y a une arnaque. Si jamais il y a une arnaque, je le verrai. Qu'est-ce que c'est là? Vos vestes. Et mettre une serviette. Non, j'ai pas envie. Alors là, pas du tout. Leader, cher client, vous ne savez pas lire les instructions. Ferez-vous comme on vous a dit? Non! Oui, allez, ramène ton cul. Ramène-toi. Je veux me battre. Ah mais du coup, attends, je peux faire un petit sort avec lui. Tiens, petite flamme. Nina, autant que tu serves. Hein, autant que tu serves. Vraiment. 432. Ah, j'ai ses points de vie maintenant. J'ai le point de vie des vieilleurs. Incroyable. Oh là là. Oh là là, c'est nul. Ok. Bon bah le vent, et puis Land va faire un petit sort de soin sur Stein. Ah, critique. Ah, il m'est cher. Il m'est tellement cher celui-là. Bon, moi ça fait de l'XP. Toujours ça de prix. Veuillez échanger vos armes et boucliers contre une... Pff, alors là... Alors là, copain, rêve toujours.
Alors, putain, il a pris tellement cher. L'Inde ne peut encore survivre un peu. Non mais n'importe quoi, plus quoi encore. Changez vos armes et boucliers contre des couverts. Non. Allez, viens de battre toi aussi. C'est là, ça fait d'XP gratos un petit peu. Allez, paf. Paf, Mina. Bon. Le froid, ça marche pas. Le vent, ça marche pas. L'éclair, trop. C'est trop l'éclair. Moins d'agilité, tiens. C'est 27. Ça pique. Ça pique fort. Échec. Très bien. Salaud. Le petit oui, bah sort de soin. Pas le choix. Zéro choix même. Et paf, Ryu est mort. Ça va être compliqué cette histoire. Et il va faire un soin. Ils sont débiles ces persos, franchement. On va Ryu n'aura pas d'XP. Oh la vache. Mais cher quand même. J'ose même pas imaginer si j'avais enlevé tout mon stuff. Bon, Ryu est mort. Heureusement. Heureusement que toi tu as vie. Pas pu récupérer. C'est quoi cette connerie encore? Ah. D'accord, donc il y a un taux d'échec en plus. Ouais, j'apprécie de. Le jeu est en train de. Je commence à avoir des doutes sur ce jeu. Et là, c'est quoi? Veuillez vous saupoudrer le corax. Oui. On se colore dit de faire tout en pensant que c'est très étrange. Bon, bah écoute, juste du sel et du poids, ça peut apporter un malus. Hein. Bonjour, je passe. C'est presque l'heure de manger. Quelle sera la cuisson de votre viande? Saignante. Ouais, attends, on est d'accord sur une chose. Ok, ok, ouais. Ah, d'accord, j'ai pas de malus, pas de bonus. Hein. Et j'ai tout mon équipement. Oh bah dis donc. Bah, c'est très marrant ça. Un grill. Un grill de saber. D'accord, d'accord. Un boucher. Considérons ça contre un comme un boss. Alors, Stain, la bombe. Mina. Ouais, mon attaque, parce que je la sens pas du tout. Et Stain va nous faire un. Va nous faire rien du tout. Il va attaquer parce que j'ai besoin de sa magie. Très bien. Ok. On est d'accord sur le fait que c'est pas mon chemin. Je me ferai tamer. Tiens, dragon. Allez. On va faire un sort d'attaque. Allez. Bru 56. Oh, gros dégâts. Gros dégâts, mais inutile. Oh, c'est inutile à un point ce truc. Ah. Et puis l'end de. En bas, si tu survis, soigne-toi. Ça va être un mec qui survive.
C'est très nul comme résultat. Ah, par contre, attaque normale, mais pas trop de dégâts. C'est déjà mieux. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Allez, tiens. Non, pas d'orage. Ouais. Continue avec vent. Il m'est cher quand même, il m'est cher. Et bah voilà! C'est bon, bah c'était une. Non, pas d'XP. Oula! J'ai perdu! Dans ce cas, je vais utiliser mes secrets. Et. Oh bah. Yeah! Je suis arrivé. Ah, ça vous dérange si je vous transforme en steak? Oui. Ah, je ne voulais pas vous faire de mal. Un chef cuisinier, c'est comme ça. Est-ce que vous allez me pardonner? Oui, allez, vas-y. Oh, vous disiez que vous allez me pardonner? Ah, vous n'allez pas la retirer. Si, je comprends rien. Oh, c'est fini maintenant. Ne soyez pas furieux. D'accord? Est-ce que vous me pardonnez? Oui. Je suis si content. Voilà. Maintenant, tout va bien. Je vais vous inviter. C'est vraiment bon, il vous redonnera les forces. Voulez-vous manger? Ryu mangea la nourriture. Et en fait, c'est de la nourriture humaine. Où je meurs. Surprise, les pieds de Ryu sont restaurés. Non, c'est pas vrai. Revenez nous voir au restaurant du chat sauvage. Et ben voilà, un truc cool. Et nous nourrissons les gens forts. Et nous cuisinons les gens faibles. Ok. Revenez nous voir au restaurant du chat sauvage. Ok. Genre, j'ai vraiment récupéré tout l'XP du monde sauf Stain. J'ai rien récupéré du tout, wesh. Ok, et c'est juste pour ça. Ok. Ah oui, il faut que je récupère mes objets. Je peux pas remanger, s'il te plaît? Non, ok. Eh ben, génial. Salut, voici vos affaires. Merci d'être venu. D'accord, et si je re-rentre? Si je re-rentre, faut que je redépose. Ah bah non, c'est ouvert maintenant. Et là, je traverse tout. Ah oui. Revenez nous voir au restaurant du chat sauvage. Et bah, j'y suis, merde. D'accord. Donc c'était un combat de boss, on va dire. Et bah c'était ça a quand même rapporté de l'XP. Voilà. Donc là maintenant le but du jeu ça va être de sauvegarder. Et ce que je vais faire. Ce que je vais faire, ça va être du farm dans la tour. Beaucoup de farm. Je pense que ça va être essentiellement ça. Mais d'abord je vais me soigner au camp. Je vais faire du farm un peu partout, ouais. Attaque surprise, oui, bah à l'heure actuelle non. Lol. L'heure actuelle, lol, MDR, non. Hop. Toi. Oui, c'est agréable de dormir à la belle étoile, je sais. Oui, je veux dormir à la belle étoile pour que Michel Stein y revienne parmi nous. Voilà, et donc là, Jean-Michel Stein est de nouveau parmi nous. On sauvegarde. Ouais, sauvegarder. Oui. Soyez prudent. TKT frère. Rien du tout. Qu'est-ce que toi? Donc c'est parti pour le farm. Un peu partout, comme ça. En exploration. On avance, on avance. Putain, qu'on avance.
Bonus. Là, je suis entre l'énervement et plein d'autres sentiments. Hein, je vous le dis. C'est quoi bandage sage? Augmente l'esprit. J'en ai rien à faire. Donc là, je vais aller au plus rapide. Et j'espère que c'est en bas. Sinon, je vais péter un câble. J'ai plus aucun sort. J'ai plus aucune magie. Je suis à poil. Là, je suis littéralement à poil. Donc, il y a intérêt à ce que dès que je monte, ce soit le combat de boss. Oh, putain, c'est pas vrai. Oh putain, mais allez. Oui, le combat de boss. Je suis content que tu aies réussi. Tu vas faire ce courageux. Mais non, une nymphe. Prostra défer. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, es-tu en train de rougir? Tu es si mignon. Vas-y, par ici. Wesh, non. Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Une grenouille? Oh, cette grenouille. Ah, si tu joues avec moi, je te dirai. Tu es un brave garçon. Je ne vais pas te changer en grenouille. Je vais faire de toi mon animal de compagnie. Nefufufu. Et je recule, évidemment. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pars-tu? C'est parce que je suis une sorcière. Tu as peur de moi? Oh, je comprends. Personne ne m'aime. Je vais d'abord te tuer et jouer avec toi après. Si tu veux, alors. Alors, sors. Allez. Ah, mais ça me consomme tous mes PM. Est-ce que c'est basé en fonction de mes PM total? Dragon 4 va faire. Elle peut pas utiliser de sort ultra pété parce qu'elle a pas du tout assez de PM. Attaque-moi. Vraiment, attaque-moi. Parce que j'ai un doute. Bon. Et. L'Inde ne peut rien faire. 32. Bon. Soin. C'est un tour gratuit. C'est un tour gratuit. Dragon glace. Transformation. Donc, ouais, j'étais à 256 de dégâts. En. À 20. Et je suis toujours à 256 parce que victoire. Là, ma technique, elle est simple. J'ai une noix PM. Vous l'avez peut-être vu. Je vais l'utiliser sur Ryu. Donc du coup. Objet. Elle est où ma noix? Ma noix qui rend 20 PM. Je vais l'utiliser sur Ryu. Et je vais refaire dragon et je vais terminer ce combat. Ça va être un combat expéditif. Donc je ne sais pas quels sont ses dégâts, je ne sais pas ses stats, je sais rien, mais je veux en finir. Parce que voilà, laine est cuit. Ça coûte cher, mais bon, j'en achèterai une dans le doute, hein. Un max de thunes. 63. Ah oui. Waouh. On se stat. Et puis, qu'est-ce qu'on va. On va faire un autre dragon. Tiens, on va faire le dragon foudre. Enfin, le T-foudre. Et puis, 4 elle attaque. Et puis, elle, elle va faire. Elle va continuer orage. Et puis, tout là, tu vas attaquer. Soin. Ok, si tu veux. Ça se trouve, il n'y a pas besoin. Mais, actuellement, j'ai un niveau d'ennui, d'énervement qui a atteint un stade qui fait que. Voilà, c'était le boss. Gros boss. Merci beaucoup d'être venu. Pourquoi? Comment je puis perdre? Je suis si belle. Et la seule chose qui m'aime, c'est une grenouille. Je pleure. Oui. J'ai perdu. À propos de la grenouille. Si une jeune fille l'embrasse, elle redeviendra normale. Maintenant, laissez-moi. Ok. Bonjour. C'est tout? Peut-être qu'elle est juste un peu seule. Je m'en fous qu'elle soit juste un peu seule. Peut-être qu'elle est juste un peu seule. Ok, bon, vous me faites chier.
J'ai perdu à propos de la grenouille. Oui, bon, tu te répètes, si tu me fais un bras, ça reviendra. Normal, bon, maintenant, c'est moi. Bon, je suppose, dans la logique, que ce n'est pas Kat ni Nina qui vont la sauver. Ah, il y a encore des monstres. Super. Donc, j'ai pas fini du tout avec cette zone. Mais j'ai battu le boss. J'ai battu le boss. Donc, une chose à faire importante, c'est récupérer le coffre qui est là. Premièrement, je récupère ce coffre. Je veux ce coffre d'ailleurs. Et je vais aller à droite. Et un sage bourrin. Qu'est-ce qu'un sage bourrin? Un sage. Ah oui, qui est là. Un sage bleu. Roster 100 PM. D'accord. Alors, si je vais à droite. À droite, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Des petits soldats. Boum. Bam. Putain, ils s'arrêtent ces conneries. Est-ce que j'ai bien fait de les attaquer? Je sais pas. Ah ouais, d'accord, bon. Ça m'ennuie. Allez, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Voilà, voilà. Ah ouais, donc il faut quand même gros dégâts. Deux coups, très bien. Nique-toi, le jeu. Nique-toi. Je commence sérieusement à m'échauffer. Hop, Nina, bon, un sort classique, hein. Ok, deux coups. Ok, donc une attaque à deux coups. 500 d'XP pour ces trucs. Si je tombe, je rigole. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai battu le boss. Normalement, si, vu que j'ai battu le boss, j'ai pas à faire ça. Ok. Donc, je vais me soigner. Je vais faire un aller-retour, je vais me soigner. Et il y a une des salles où j'ai vu, je crois, quelqu'un qui pourrait m'aider. Donc du coup, je vais quand même y aller. Mais je vais me soigner avant. Il y a une douille quelque part, je le sais, je le sens. Il y a toujours une douille. Donc on va se soigner. Et là, là je suis à 44-45 minutes. Sauf que la vidéo fera pas 44-45 minutes, hein, vous en doutez. Je pense qu'elle fera même pas 30 minutes. Donc, déjà, hop. Je me soigne, voilà, ça c'est fait. Voilà, je sauvegarde. Alors là, je sauvegarde, je veux sauvegarder, voilà. Et, oui, continue mon voyage. Et on y retourne à la tour. Et il faut que je trouve maintenant le bon chemin pour trouver où je dois aller déjà demain. Mais qui je dois sauver? Je sens qu'on va encore bien s'ennuyer. Non, par contre, deux, je peux pas. Deux, je... Non, c'est mort. C'est mort. La mort. Alors. Je me souviens que c'était en haut. Ah bah, Jean-Michel, il est vivant, par contre, hein. Ouf, c'était effrayant. Nous avons failli être changé en pierre et ajouté à sa collection. Oui, bah Jean-Michel. Merci. Alors, que je me souvienne. Ah, mais il y a encore des monstres dans ce truc. C'est chaud. C'est chaud s'il y a encore des monstres. Même pas foutu de one shot. Putain. Incroyable ça. Bon, ça fait toujours un petit peu d'XP. Non mais vraiment, comme ça. Là je vais même plus réfléchir. Il y a un truc que j'aurais dû faire sur les mouches, par contre vous l'avez peut-être pas remarqué, mais j'aurais dû faire orage.
quand j'étais avec Nina, comme ça m'aurait sans doute évité quelques désagréments niveau magie. Voilà, 400 XP, LAN 14. Alors, là, c'est pas ici. Si je meurs à ce stade du jeu, je vais non seulement pas être content, je vais peut-être tout cracher, mais ça va peut-être arriver. Ah, c'est génial, je peux pas fuir un seul combat. Génial, j'aime ma vie, je tiens à le dire. Fuite très très fort. Alors c'était à quel stade du jeu? C'était à quel moment du jeu? Non, fuite. Et voilà. Parfait. Non mais génial. Hein. Voilà ce qui se passe. Oh, alors attends, on va faire autrement. Défense. Défense. Voilà. Oh, on voit les animations de défense d'ailleurs que je trouve. Je trouve ça moyen. Bon, il y a un petit effort avec Kat qui fait des moulinets. Le moulinet avec le bâton. Alors, que je me souvienne, il faut peut-être que j'aille à droite. Je vais essayer d'aller à droite. Alors droite, c'est celui-là. J'espère que c'est là. Si c'est pas là, je... Ah, je vais pas être content. C'est forcément un endroit que j'ai pas vérifié. Ou que j'ai oublié. Bon. Sort, éclair. Et évidemment, une malédiction. Parce que pourquoi pas après tout. C'est ça que j'aurais dû faire depuis le début en fait avec Nina. Est-ce que je me sens un peu bête? Un peu. Ah oui, Jean-Michel, Jean-Micheline. Oh, j'ai fait un combat contre la sorcière et elle m'a changé en pierre. Et vous m'avez sauvé. Je suis. Attention, règle de grammaire. Zezo, Cesso, je sais pas. Débrouillez-vous. La chamane de l'eau. Il faut que je me dépêche de retourner chez ma mamie. Ok, alors je vais vous montrer bien comme il faut que Nina ne peut pas utiliser sortir. Je pense que je vous l'ai assez montré. Donc là, on fait tout le chemin en sens inverse.
Bah évidemment parce que par manque de contenu de cette vidéo, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Parce que j'ai envie de vous dire que je n'ai pas envie d'être le seul à être dans cette galère. Vraiment les galères actuelles. Et qui dure, hein, qui dure. Il y en a une seule qui a survécu. Comment? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Rayon niveau 15. Au moins, les level up sont présents. Donc, il reste plus qu'à faire demi-tour à pied. C'est pas drôle. Sinon. Attaque surprise. Parfait. Salut. Au moins ça, ce qui est, c'est toujours une bonne chose dans les RPG, c'est quand vous avez l'initiative sur un combat, vous avez 100% de chance, au moins 99% de chance de fuir. J'ai rarement vu, rarement, dans un jeu, quand on fait un combat et qu'on a l'initiative ou attaque surprise, qu'on ne peut pas se barrer. C'est très rare. Si jamais je me trompe, citez-moi des exemples en commentaire. Alors le coup fort, il est sur 4, yes! Trop bien. Oh, ah mais dès que j'arrive dans une ville, j'achète trop d'objets. Je me refais le plein d'herbes. Genre au moins 30. Parce que mes herbes, j'en ai 0. Et je me rachète une noix. J'ai 5000 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Et pourtant, dans le jeu, t'as toujours un problème d'argent. C'est bête. Alors que dans Golden Sun, je me souviens, au début, t'as des problèmes d'argent parce que t'as besoin d'upgrader ton personnage, de le stuffer. Et à partir d'un moment, t'as trop d'argent et tu te dis, bon, bah, là, j'ai assez. Go. Non. Défense. Voilà. Au moins, on aura eu, j'arrivais à parler, je vous assure, on aura eu 2 combats de boss. 2 combats de boss, ma foi, l'un était quand même relou, hein, mais de la difficulté. Et le deuxième, bah donc celui avec la sorcière, était inutile. J'aurais pu le faire de manière normale, avec juste une invocation dragon. Et puis continuer avec les attaques classiques, la stratégie classique. Sauf que non, j'avais pas envie. Riposte. Aïe. Je ne sais pas ce qui se passe quand il y a malédiction sur un des personnages. Comparatif Golden Sun, quand il y avait malédiction, ton personnage allait crever un moment ou un autre. C'est-à-dire que ça pouvait arriver dans un combat. Il me semble que ça pouvait arriver qu'en combat. Allez, on est presque arrivé. Je vous assure qu'on est presque arrivé à la fin. On est arrivé tout à la marche. On ne peut pas courir. Ça me manque. Ça me manque vraiment. Voilà, j'ai bientôt une heure que je fais ça. Le monstre a une herbe vie. C'est pas vrai. Le premier drop de ce donjon, le pourcentage doit être extrêmement bas. Restore PV et capacité. Oui. Donc peut-être revie. Revivance du personnage. Et là normalement, je suis arrivé. Je vais quand même aller voir ce que Jean-Michel là-bas il veut me dire. Peut-être qu'elle est juste... Oui, bon, d'accord. Bon, Jean-Michel, il répète ce que les autres Jean-Michel disent. Bon, alors, c'est bon. Ok. Donc, je vais aller de 1, me soigner. Un chaman de l'eau, peut-être que c'est ce machin qu'il y avait dans l'eau, tout à droite.
une étamine, évidemment. Bon, le combat va être rapide. J'espère. Vendoux. Yes. Oh. Ouf. Ça pique là. Parfait. Une carvillée à moitié morte. Quel était le pourcentage que ça arrive? Le pourcentage doit être tellement faible quand ça arrive ce genre de choses. Bon, si quelqu'un décède à ce moment-là, c'est pas trop grave. Yeah, d'exprès. Allez, il reste 4 cases. Bonjour, alors, soin. C'est très agréable de dormir à la belle étoile. Voulez-vous dormir à la belle étoile? Oui, je vais dormir à la belle étoile. S'il te plaît. Machin. Je sauvegarde. Je veux sauvegarder, s'il te plaît. Ok, je l'ai enregistré, parfait. Allez-vous continuer votre aventure? Oui. Donc là, on va dormir, enlève les malédictions. Non, c'est pas le bon truc. Je vais aller directement dans la forêt. J'espère qu'en allant directement dans la forêt, je vais débloquer quelque chose. Sinon, pas content. Il y avait un saleté d'arbre. Saleté. Oula. Le jeu, s'il te plaît. Une étamine et puis Jean-Michel la graine. Ah mais le pattern de ce monstre est juste énervant en fait. Vendoux à chaque fois. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Faudrait que je fasse quelque chose avec 4 parce que 0 défense, 0 point de vie. Elle a rien du tout. Elle a juste tout en attaque. Nina niveau 15, défense moi. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Ça par contre, ça va vite, très vite, m'ennuyer. Ah bah là maintenant changement de pattern. Ça doit être en fonction de mes actions. J'estime. J'espère surtout. Yeah, plein d'XP. Alors, la forêt. C'est là d'où je viens. J'espère que je vais. Ah, attendez, il se passe un truc. Oh, je vois. Tout ce dont j'ai besoin est une jeune fille. Pour m'embrasser, et ensuite le sort sera levé. Eh bien, dis donc, embrassez-moi autant que vous le voulez. Si cela vous sied. On va mettre première fille. Oh, jolie demoiselle. Ah, tu vas me donner ce baiser alors. C'est. Pour aider quelqu'un, c'est ça? Bon, je vais. Tout le monde, pourriez-vous regarder ailleurs? C'est pour aider quelqu'un qui en a besoin. N'importe qui pourrait le faire. Oh wow! Quoi? Mon dieu, ça marche. Ah oh, merde! Zut! Tout cassé. Je cassais la forêt. Oh oh oh, faut ambiance, c'est merveilleux. Non, j'en ai bien normal. Non, je suis une pâle copie de Frog d'une autre série de RPG. Connaissez-vous Chrono Trigger? Ah bien le bonjour tout le monde. Je suis le prince de Fornage. Ne pas penser à Fornage. Mon nom est Ecalopa de Petapet. Et qu'allons pas de péta péta. Un grand merci de m'avoir sauvé.
Oh, allons-y tout le monde, mon château est au milieu du lac et c'est un endroit merveilleux. Alors, je vais vous emmener là-bas. Ah, vous serez sûrement enchantés. Et Ikal a rejoint le groupe. Pouce en l'air, c'était quoi, c'était d'accord. Alors, Ikal. Ouh. Oh, t'es mauvais. Non. Non, attends, on va mettre Ikal, Land et Cat. Non, on va la garder ailleurs. Donc, sauvegarde. Et je m'arrête là. Ah non. Pendant ce temps, quelque part, chez les méchants ou chez les gentils, mais dans une ville. En construction, sûrement. Peut-être la ville du début. Ou ailleurs, je ne sais pas. Hé, hey, idiot. Hey, je l'ai fait. La cachette de Rio est devenue une merveilleuse ville. Ah, c'était d'accord. Eh ben, c'est une très bonne chose. Bien, mesdames, messieurs, chers viewers, cela signe la fin. Oh, regardez-moi ce frog. Je l'appelais frog par réflexe. Je me excuse. D'ailleurs, je vais voir les capacités qu'il a. Alors, sort, qu'est-ce que tu as? Tu as agilité plus qui? Ok. Équipement, qu'est-ce que tu as? Tu as peu de santé. Attends, j'ai pas un truc pour toi quelque part? Non. Non. Ok. Nous allons nous arrêter à ce moment-là du jeu. Nous irons donc dans cette ville. Juste là. Je pense prochainement, très prochainement. Mais d'abord, je sauvegarde. Merci d'avoir suivi cette vidéo longue pour moi. Pas très intéressante, mais c'est le RPG, c'est comme ça que ça marche. Et j'aurais pu, je le concède, refaire tout le donjon sans me faire, sans utiliser le coffre, mais un peu de difficulté. Franchement, ça fait du bien. Voilà. Oui, je vais continuer mon cheval prudent. Merci, copain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas tout ce qu'il y a là, commentaires, si vous avez des tips, astuces pour la suite, parce que j'en aurai très sûrement besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos et la suite du jeu, parce que je compte le continuer et le finir, même si j'ai dit pas mal de choses qui m'ont énervé dessus. Il y a un Twitter où je suis plus ou moins présent, mais c'est là où je parle le plus souvent. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.